Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et Biam de la Playroom pour ce nouvel épisode de Prey. Nous allons continuer la partie tout simplement dans le noir, ou presque. J'ai simplement laissé, pour que vous puissiez voir le visage du Marcus, l'écran blanc juste à côté. Sinon, je supprimerai totalement la caméra, mais dans ce cas-là, vous n'aurez plus aucun intérêt à me croire sur le fait d'être dans le noir. Donc, non. Appuyez sur une touche pour continuer. Et sinon, je vous ai écouté, chers amis. Je vous ai écouté. Ne vous inquiétez pas. J'ai des choses à fouiller. Oula. Non, pas ça. Pas ça. Voilà. Hop. Crac. J'ai des choses à fouiller. Je sais plus si j'avais fouillé cet homme. Ah ah. Voilà. J'ai des choses à fouiller. Vous m'avez dit que j'avais trouvé la clé pour quelque part. Allez, je l'ai fouillé. Ok, hop, on y va, et apparemment, j'ai trouvé la clé pour ici, ah ah, et aussi quelques astuces au passage, hop, voilà, je l'ai normalement, voilà, bonjour, poste de sécurité, feuille de personnage, Fatal Fortress, Capitaine Elgarod, sympa. Ok. Ok. Ok, il y a un bruit à la con, c'est chiant. Crac, email. Au secours, au secours, au secours, au secours. Immédiatement, Elias, quelqu'un. Merde. Hop, au secours, c'est encore Neil, ce n'est pas une blague. Au secours, au secours, au secours. Au secours, au secours. Une tâche récurrente concernant le digicode de Morgan. Nous recevons une demande de changement de code tous les mois. Ça se passe toujours de la même manière. Morgan nous a demandé le code actuel, s'il a été choisi par ses soins ou par nous. Puis il faut lui en donner un nouveau. C'était habituel, la dernière fois je l'avais devant moi et alors je lui ai donné un code. On aurait dit que je lui parlais en latin. En tout cas, de moins d'une semaine, c'est peut-être pour tester notre temps de réponse. D'accord. Modificateur d'armes, je prends. D'ailleurs, il faut qu'on pense à modifier les différentes armes. Alors oui, vous m'avez dit aussi qu'il y avait un autre moyen d'y arriver. Non ? Si ? Si ? Ouh ! Hop ! Vous m'avez bien conseillé sur ce jeu, cher ami. D'ailleurs, je vous en remercie, vraiment. Puisque vous avez vraiment fait le taf. Et je ne pourrais pas plus vous en demander sans être spoilé, quoi. C'est vraiment... Vous avez fait vraiment comme il faut. Et je peux arriver au même endroit. Non, c'est pas le même endroit. C'est pas le même endroit. Ok, c'est un autre truc. Cartouche de fusil à pompe. Fusil à... espace insuffisant. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, putain, j'ai plein de saloperies. J'ai plein de saloperies. Merde. Merde, 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 merde. Du psy. J'ai deux modifications d'armes. Ok, allons voir. Inventaire. Peut-être plutôt améliorer le Margrave. Menu. Améliorer. Bon bah clairement là, sans conteste, la puissance de feu. Et la vitesse de chargement. Ça me semble logique. Ça me semble complètement logique. Et je peux toujours pas le prendre? Non. Lorite, lire. D'une main, elle a pris le pieu et de l'autre, le marteau des ouvriers. Elle a frappé Sisera, lui a fondu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Il y a de la joie. Ok. Besoin d'une escorte, pourquoi pas. Il y a que chose dans cette station. Ok. D'accord. Il me manque une carte d'accès. Ah bah c'est la carte d'accès que je trouve avant. Oula, note! Dimitri a été placé en isolement, comme vous l'avez demandé. Il connaissait le code de la porte, je l'ai donc changé, c'est 1129. Ouh, salle d'attente, ok. Par contre, ça m'emmerde de pas pouvoir le prendre, ce truc-là. Oui, pourquoi pas. Comment je pourrais... Oh, merde. Comment je pourrais agrandir l'espace? C'est possible? Modification de combinaison, augmente la taille de votre inventaire. Ah, attendez. Force physique, impact, expert en matériaux. Ah, il m'en faut deux neuromodes. J'en ai un. Merde, crédit.
Pris automatiquement. Pris automatiquement. Et là, normalement, je suis censé pouvoir le prendre. Et j'espère ne pas m'être trompé. Je vais avoir besoin de comparer les deux dégâts des deux fusils. C'est pas là. Ce sera là. 41. Donc c'est le 41, 100, 4, 100. C'est exactement le même. C'est exactement le même. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Distributeur d'eau, je suis déjà full life. Ok, on y va. Alors, du coup, on y retourne. On y retourne. Faut que je mette un casque. Alors là, du coup, on m'avait dit que je peux utiliser le pad numérique. Oh putain, ça va tellement changer ma vie. Sale bête. Sale bête. Faut que je reprenne les bonnes mécaniques. Madame Elazar, je ne sais pas exactement ce que j'ai vu, mais j'essayais seulement de faire mon travail. J'ai peur qu'on ne me laisse pas vous parler maintenant alors que je vous écris un message. Je ne suis pas du genre impressionnable, mais ce qui s'est passé dans la simulation, ça me hante. Quel que soit le problème, laissez-moi vous aider, je ne peux pas me contenter de rester assis dans cette pièce. Je commence à avoir l'impression qu'il se passe des choses bizarres dans cette station, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font exactement au département psychotronique? Personne n'y met jamais les pieds, autant que je sache. Autre chose qui pourrait vous intéresser, Yuri Kimura a des neuromones non référencés dans son bureau. Yuri Kimura. Ouh, faut que j'aille dans ce bureau là, moi. Il faut que j'aille dans ce bureau. Pas besoin de m'en sortir pour monter, d'accord, ok. Apparemment, ce n'est pas ici que je passerai. Ok, bon, on y va. Aucun repop. Aucun repop. On m'a dit aussi que si je ferais beaucoup plus de dégâts directs, si je sneak, il y a un bonus de dégâts, un petit peu comme dans les... dans les comment les Bethesda, les différents Skyrim, tout ça, tout ça, tout ça. Je me rappelais pas qu'il y avait tous ces bruits. Ok, on y est. F5. Il y en a deux. Je préférerais m'en assurer. HS. On va pouvoir s'arranger. Crac. Parfait. Transférer tout, c'est ça. Hop. Ok, recycle-moi tout ça, s'il te plaît, merci. Ok, parfait. I pour inventaire. Y pour trier. Voilà, et on a pu grappiller un petit peu d'espace. Ça c'est quoi? Pièce détachée. J'ai pas un truc pour réparer mon armure. Je vais peut-être le faire tout à l'heure. Ok. Hardware Labs. Ok. Je vérifie quand même que j'ai tout pris dans la zone. Pièce détachée, parfait. Voilà, ok, cool. Hop, il y a de la saloperie. Le jeu m'encourage à tirer une balle. Ok. Faut écouter un petit peu le jeu des fois, à mon avis. Ok. Je ne suis jamais sûr, mais on y va. Soyons fous. Ok, bon. Ça se passe plutôt bien. C'est dans les laboratoires techniques que les merveilles technologiques telles que les terminaux miroirs sont conçues et développées. Terminaux miroirs. Ok, ready, digo. J'ai vérifié juste une chose, chers amis. C'est niveau d'OBS. Voilà. Ah merde, excusez-moi. Hop, je chie dans la colle. Au niveau d'OBS, c'est bon, ça tourne. Y'a pas de soucis. Ok, cool. Je vérifie. Attendez, y'a un truc qui me perturbe. Elle fait pas le focus. Fais le focus, s'il te plaît, merci. Voilà, bon, c'est pas grave. Crac, j'espère que tout va bien.
gardant les yeux grands ouverts. Il y en a deux caisses. Combat, attaque furtive, voilà. Il est corrompu. Bon à savoir. Bon à savoir. Il y a donc maintenant des ennemis corrompus. Ah la vache, désassemblage requis. Là par contre ça c'est intéressant. Neuromode. Ça il en faut 3. Alors ça va être une nécessité compte tenu des trucs qu'on a pris à l'heure actuelle. Ok. Ça, je crois que c'est un... fantôme. Merde, encore ? Ok. Trop loin, trop vite, tome 2. Et ce fut la fin du mandat de Johnson qui fit place au président Reagan. Même à cette époque, la course à l'espace montrait des signes de faiblesse. L'enthousiasme des décennies précédentes était émoussé par le manque de découvertes fulgurantes que l'espace avait semblé promettre. L'Union soviétique avait déjà subi un effondrement économique à cause d'une similaire concentration sur l'espace. Beaucoup à Washington et au Pentagone, pardon, n'était pas favorable à des dépenses supplémentaires dans le programme spatial, donnant ainsi naissance à une vague de politiciens dont la plupart avaient activement évité l'implication des USA au Vietnam, qui préféraient se concentrer sur comment résoudre les problèmes à notre porte. Il y avait du vrai, mais le problème c'est que c'est pas comment résoudre les problèmes à notre porte, c'est surtout comment éviter un nouveau flop politique. J'espère qu'il répare le truc. Fragment d'astéroïde. Terraformer Mars. Bon, on va pas le lire. Hein. Il est corrompu. Ok. Un seul siège. Qu'est-ce que c'est ? Clé à griffe. J'en fais quoi ? Dégâts 10-20, non modifié 10-20. Ah, je peux peut-être la désassembler directement. Menu. Ok, non. Nécessite la compétence ? Oh, d'accord, donc il faut vraiment que je chope cette compétence. J'ai envoyé Larsen dans la salle de démonstration pour voir s'il y avait quelque chose de choper du métal de Sada. Ça te dit de venir, d'accord, l'alcool. Juste un mot prévenir qu'on va devoir repousser la présentation du système de propulsion Artax. D'accord. J'ai pas le code. Dommage. Ok. Ah, je peux pas prendre. Je ne peux pas prendre non plus. Je vais shotgun le robot.
Et je vais continuer à fouiller la zone. Texture. Apparemment, il y a encore des bouts qui se barrent. Elle est verrouillée. Et il y a un truc de sécurité juste à côté. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au-dessus de moi qui n'est pas amical du tout. C'est con parce que ça m'aurait bien plu. Vous savez quoi? On va retourner dans l'autre région, on va tout désintégrer, vous savez, tout démonter. Et refaire ça jusqu'à ce que... Crac. Oui, confirmé. Faudrait qu'il fasse genre un bouton, genre rester appuyé sur F pour confirmer automatiquement. Ça serait peut-être un peu plus efficace pour le coup. Parce qu'aller dans un menu, c'est un peu bête, je trouve. Enfin bon. Ok, c'est tendu du slip quand même, hein. Je veux pas dire, mais là... Ok. F. Alors. Ok, transférer tout le rebut au passage. Ok. C'est exactement le même ou c'est pas exactement le même? Je le mets au rebut, j'espère que c'est pas une connerie ce que je fais. Ok. Soigne la peur. Ok. Ok, c'était pas flippant du tout. Y'a juste un mec qui a hurlé à la mort, c'est rien. C'est classique. C'est... Pourquoi pas? Bon, je sais que dans la région actuelle, à part un mimique sur la gauche qu'on a pu voir et qui je crois s'est enfui, ou en tout cas a changé de forme, on n'a pas trop d'ennemis. Du coup, je vais pas sneak. Aucune raison de sneak. Ok, donc ils sont bel et bien au-dessus. Et dans une zone plus ou moins ouverte, qui plus est. Crac, ça je prends. Ça je prends. Munition pour pistolet silencieux, je prends aussi. Utilitaire. Carte de la zone, téléchargée. Commande de la porte, j'imagine. Cool. Pas de sécurité. Hall. Là, il y a un escalier. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Ok, pourquoi pas. Ok. Équipage. D'accord, j'en ai 24 sur 26. Cool. Ok. Putain, à chaque fois j'ai l'impression qu'ils sont juste derrière moi, quoi. Stresse pas, Marcus. Hop. Ok. Hop. Ferme-moi cette porte. Voilà, merci. Ok. C'est pas flippant pour un sou. Automatique, pression 0.7.6, relaissant.
Ok, le jeu est en train de me dire monte. Putain! Ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue, il était où? Ah la vache. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Je le voyais pas, je l'ai pas vu, il était juste devant, je cherchais. Je croyais qu'il était au fond à gauche, mais en fait il était à droite, ce con. Et puis le temps que je le trouve, j'ai complètement chié dans la colle. Ok, bon c'est pas grave. Hop, merci. Merci. On va la retrouver, on va y arriver. Merde, là, c'est bon. Crac, non, là. Là, déverrouiller casier, et on est bon. Ok, cool. Plan de fabrication, je prends. Faut surtout pas l'oublier maintenant, ce serait stupide. Ok. J'aimerais bien que quand je la lance, elle se déploie, mais apparemment ce sera pas le cas. Et je ne sais pas du tout où je suis censé la placer, donc je vais la placer plus ou moins ici. Crac. Bon, on y retourne. C'est pas grave. Vous avez vu les trucs là au-dessus? Oh. La vache! Ça fait du. Ça fait carrément de la OE. On s'en est sorti. On s'en est sorti. C'est pas magique, mais on s'en est sorti. J'ai hésité à tirer avec. J'ai réfléchi en fait. Je me suis dit, est-ce que le pistolet va faire suffisamment de dégâts? Et donc, du coup, je me dis que, en parlant de dégâts. Ah la vache, c'est pas magique, hein. C'est pas magique. Ok. Ok. Ça je prends. Pourquoi il y a un rouge? Je laisse les commandes. Nouveau code, bureau directeur. Ok, pourquoi pas. J'accepte, j'ai accepté la mission. Rien tout dans l'étagère, rien au-dessus. Ok, pourquoi pas.
Ok, 9, 2, 7, 8, c'est bon. Ok, attendez, 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 faut que je réfléchisse, faut que je réfléchisse. Ok, maintenant. Charge recyclante, il va me la falloir. Il va me la falloir, il va me la falloir, il va me la falloir. Et ça c'est quoi? Modificateur d'armes. Ah putain. Bon tant pis, j'améliore ça, la stabilité. Ce qui me fait gagner un petit peu de place. Ce qui me permet de prendre au passage sur son cadavre au moins deux de ses trucs. Et avec cette grenade, je vais pouvoir faire des choses intéressantes. Charge recyclante, la charge recyclante décompose la structure moléculaire des objets à proximité en explosant, transformant ainsi les matériaux en matériaux recyclables, pardon. Votre uniforme vous en protège en une certaine mesure, mais vous immunise pas totalement. Être à proximité du détonation peut s'avérer dangereux, voilà, on sait. D'accord. L'ascenseur spatial, ça me parle vaguement. Mon nouveau machin, demande de pièces, ok. Tu le dis. Deux neuromodes. Alors ça, ça c'est la vie. C'est la vie et à la fois la mort. Puisque là, ça veut dire que dans ce cas précis, je peux choisir soit de prendre des assemblages, soit de prendre ça. J'en aurais eu qu'un, le choix, ça serait fait... tout seul. Et pour l'instant, je vais partir sur les emplacements, malheureusement. Ce qui veut dire que je peux aller récupérer beaucoup plus d'objets, effectivement. Encore un truc qui s'est viré. Je les ai regardés, les mails, non? Je les ai regardés. Ok. Grand baseball, pourquoi pas. À recycler, ça peut toujours être sympa. Oh! Si tu oublies le code, ES et XE. Est-ce qu'il y a un tableau périodique? Oui. ES. 89 et XE. XE. 89-54. Voilà, ça c'est fait. Charge recyclante encore plus. Ok, cool. Cool. Bon, bah pour l'instant, c'est tout bénef cet endroit. Hein. C'est absolument tout bénef. Histoire officieuse de Transtar, d'accord. Ok. Bon, à savoir qu'il y avait une histoire officieuse. Sale bête. Je peux pas te fouiller? Merci. C'est quoi ça? Charge IEM? Ça vaut vraiment le coup de fouiller. Hein. Charge, les charges, il y a une charge électronique. Efficace contre les robots, les tourelles et les entités électriques. D'accord. Extrêmement efficace, hein, je précise hein, encore une fois. Extrêmement efficace. C'est une très très bonne nouvelle.
C'est ici qu'il faut que j'aille pour... Ah, attendez. Je peux réparer? Non? Non? Ok. Des fois que ça nous donne quelque chose. Bah... Oh, pardon. Ah bah c'est là où j'étais tout à l'heure. D'accord, ok, cool. Cool, cool, cool. Bon. Maintenant il va être l'heure de passer par là. Un neuromode. Ok, je prends. Il m'en faut donc encore un pour avoir la capacité des assemblages. Alors, n'oublie pas qu'il y a un typhoon dans le coin. N'oublions pas qu'il y a un typhoon dans le coin. Sneak, 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 sneak. Bien tenté. Je l'aurais pas deviné que c'était ça. J'ai un cadavre sous les yeux aussi au passage. Je viens seulement de m'en rendre compte. Il y a deux bouteilles. Trois bouteilles. Plein de mugs. On verra bien. Ah oui, c'est vrai, je peux pas multiplier. Ok. On va vérifier qu'il n'y a rien au-dessus. Ok, cool. Bon, clairement, là... Cartouche de fusil à pompe. Entrée des employés. Bourbon, hold... Ah bah oui, c'est le fameux bourbon. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Ouh. Bitongue de tomates séchées, d'accord. C'est du verre solide, pourquoi pas. Ok. Ok. Est-ce que ça s'arrête ou est-ce qu'il faut que je... D'accord. Ça me semble logique. J'ai cru voir quelque chose bouger. En tout cas, il y a de la vie. Il y a de la vie. Il est au taquet, le garçon. Il s'approche. Il arrive. Ah, il paraît qu'il y a une touche. Il m'avait dit qu'il y avait une touche, je pense à ça. Pour spotter les ennemis. Ça tombe peut-être, hein.
C'est pas grave. Putain. Je t'ai vu. Il y a peu de balles là-dedans finalement. Quoi? Putain, je suis dans les flammes. Ouais, je m'en occupe. Ah merde, c'est pas les bonnes touches. On l'occupe. Les combis c'est ça, c'est G, voilà. Je vois c'est pareil, merci. Ok, maintenant. Wouh, ça pue du cul. Putain, ils sont durs, hein. Oh nom de Dieu. Au-dessus. Il est juste là, regardez. Oh là 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 là. Ça va pas le faire. Oh, un petit peu d'eau. Merci. J'ai l'impression de pas avoir été assez près. En plus, il a une excellente vue. L'électronique pratique, oui, si tu le dis. Ok, pourquoi pas. J'ai presque envie. De... Et voilà, il ne me voyait pas. Du coup, je lui ai fait masse dégâts. Au prix d'un bon nombre de munitions, certes, mais je lui ai fait masse dégâts. Ah. Allons-y. Qu'est-ce que c'est comme machine? Je peux pas savoir. Ok, bah je ne saurais pas alors. Ok, c'est le mec que j'ai buté tout à l'heure. Ok, bon, pourquoi pas?
Note. Important, relevez seulement chacun de vos passages en le conduit maintenance par le biais du panneau d'accès. Fuite, réparer, vacillement normal de l'éclairage, impossible de terminer la cause, RAS dans le circuit électrique. Appareil électrique instable près de la porte de l'atelier mécanique, réparation temporaire avec adhésif courant. Avis. En cas d'urgence, se rendre dans le conduit de maintenance via le petit panneau d'accès ci-dessous pour couper l'alimentation, prévenir immédiatement. D'accord, donc ça c'est le second passage si vous ne savez pas quoi faire. Il y a de la santé là-bas. Wow, ça c'était pas prévu. Allez, prends-le. Voilà, merci. J'aurais peut-être même dû l'utiliser, soyons honnêtes. Ok, je suis passé. On recharge. Faut que je vise un peu plus mon environnement aussi. Hein. Comme tous les autres, cela dit. Je peux la réparer. Cool. Piratage 2. Ok. Ça me servira à quoi de la pirater? Je ne l'ai pas. Ok. Note. Bonjour, je m'appelle Glubert de Gluville. Et ben voilà, j'ai tué Glubert. Désolé Glubert, je t'ai tué. Ok. C'est pas Glubert de Gluville le mot de passe? Non, ce n'est pas Glubert de Gluville. Bon, il y a plein d'endroits que j'ai pas fouillé, hein, n'empêche, hein, je veux pas dire, hein, mais... Qui est vraiment une sale bête, tu sais ça? Il y en a encore un. Ok. Il est mort? Apparemment. Ok, cool. Bon. Bah si, c'est là que je suis monté. Je suis monté là tout à l'heure. Ah ah! Donc ça doit être dans le coin, l'information doit être dans le coin. Ah bah attendez, il y a une note ici. Donnez ce message à l'opérateur macro, macro 11. D'accord, hop c'est parti. Ok. Résultat des essais du glue, d'accord. Ok. Bon pour rappel, c'est bien le fondure de matière mécanique, le code du plaquet à 83-99. Placard. Le code du placard. 83-99. Il y a un placard quelque part. Atelier mécanique, on doit y être. Ok, je t'écoute. Médicentre. J'en suis pas sûr. Oui. Les gardes courent dans tous les sens. Balance un opérateur. J'aurais besoin d'être full life. Bienvenue. Merci. Oui, j'aurais bien besoin d'un petit peu de santé. Diagnostic en cours. Merci. Blessure superficielle. Rien de trop grave pour un kit médical portatif. Vous serez sur pied en un rien de temps. Merci. Vous pouvez remplir le questionnaire de satisfaction à la réception. Pas de soucis, j'y penserai quand je passerai par la réception du coup. Viens voir papa. Ah merde, je suis fou. Est-ce que j'ai des objets utilisables sur mes autres objets? Dit comme ça, c'est un peu stupide, mais je me comprends. J'ai deux neuromodes. Ah putain, les sérieux, les neuromodes prennent de la place, j'avais zappé cette histoire. Ah. c'est pas con. Et j'ai un flingue en trop, c'est vrai. Mais bon, ça peut rapporter un petit peu le flingue en termes de pieds détachés. L'armurier est nécessaire pour... Modification plus avancée, effectivement, oui, je suis au courant, merci. Quoi? Tu peux te passer en dessous?
Ah, j'ai cru. Je le savais. Je le savais, je le savais. Easy. Easy, 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 easy peasy. Pas de gaspillage, comme on dit. Ok, c'est bon. Crac. C'est la fête. La fête. Oui, la f... Ils étaient deux. Ah, cool. J'ai bien fait. Bonjour. Atelier mécanique. Ouais, mais attends, il y a un truc que je vois pas, là. C'est que j'ai... Si ? C'est là que je suis censé aller ? Putain, je sais même pas c'est quoi ma mission. Je pars dedans, mais moi, je suis à fond dans le jeu, hein. J'explore, tout ça, tout ça. Voilà. Moi, je suis... pas au bon endroit. Je suis où ? C'est ça, moi ? Non, bah non. Où est-ce que je suis ? Joueur ! Ok, donc je suis pas du tout au bon endroit, c'est pour plus tard. Bonjour, ravi de vous revoir. Merci, c'est gentil. Ah, moi je vérifie maintenant. Moi je vérifie maintenant. Hop, alors, autour de ce truc là, il y a quelque chose. Des balles. Ok, bon. Bonjour. D'accord. Ok, pourquoi pas après tout. Ça m'intéresse. J'ai vu quelque chose. Ok, trouver un plan de fabrication du système. D'accord, ok. C'est l'objectif principal ? Non. L'objectif principal, il est par là-bas. Mais c'est pas le bon endroit ici. C'est ici le bon endroit. Docteur Kelvin. Il va me falloir un truc pour... désintégrer la plupart de mes objets. J'ai pas la clé. Ok. Scène de présentation. D'accord, on est de l'autre côté. Je prends un petit peu de thé, c'est toujours bon le thé. Alors, bon, de toute façon on y va et normalement il n'y a pas de fantôme là-dedans. Où tu es ? Là ? Non. Et un neuromode. Putain, ça c'est bon. Ah, ça c'est bon, chers amis. Puisque ça veut dire qu'on pourra récupérer tout un tas de pièces détachées qui nous permettent de pouvoir tout réparer. Ça, c'est la fête du slip. Vous pensez que c'est quoi ? Il y en a un. On le sait tous, il y en a un. Viens voir papa. Allez. Lui. Non.
Il y en a un. On le sait, on l'a vu. Il va me sauter tellement fort à la gueule. Soyons honnêtes. Oh là 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 là. Ok, bon, c'est pas grave. Tant pis. Du coup, toi, tu y vas. Le rebut, il y va aussi. On trie. Alors, il y a un flingue à 8. 8. Hop. Ok, et là, c'est bon. Crac, recycle-moi tout ça. Merci. En termes de trucs, on devrait commencer à avoir des choses sympas là. Putain, j'en ai encore une. J'avais pas vu. Je peux la désassembler. Hop. Crac. Merci. Et on est bon. Ok, ok. Bon. Et donc, du coup, je peux récupérer celle-ci vu que j'ai désassemblé l'autre. Tout bêtement. C'est pour ça que j'ai désassemblé en fait. Ok. Plan couille, plan couille, plan couille. Ok, bon, on est bon. Ah, il y a un escalier. Par conséquent, je me dis qu'il est potentiellement encore présent. C'est juste que je ne sais pas où. Étrange, étrange. Ok, bon. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci de l'avoir laissé, Marcus Bonus, dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo!